T'es contente? Oui. On va dormir où nous? On va dormir où? Des arbres. Dans les arbres? Oui. On y va? Oui. Là, j'ai monté. On avait celle-là nous avant. Et nous voilà arrivés. Notre petite maison dans les arbres. Ici, on a un papa et un Mimi. T'es content, petit Mimi? T'es content? La petite cuisine. Là, nous avons la salle de bain. Petit salon, salle à manger. Et là, qui c'est qui est là? Toc toc toc, je peux entrer? Oui. C'est maman, et c'est Toto. Et c'est Toto, maman. T'es dans ton lit? C'est Toto. T'es tout en haut? C'est ton lit, tu vas dormir ici? Non. Tu vas dormir où? Dans lequel tu veux dormir? Dans celui-là ou dans celui-là? Celui-là. C'est toi qui choisis. Non, c'est les draps. Maintenant, on va prendre le panier. Regarde, on va le mettre en bas de l'arbre. Comme ça, demain matin, les gens ils vont venir nous mettre notre petit déjeuner dans le panier. Merveilleux petit déjeuner. Mon bouillon. Ah bah non, il n'y a plus rien, mais il n'y a rien du tout. Ils nous ont pas mis le petit déjeuner. Heureusement que maman elle a fait des courses et qu'on a plein de choses à manger. Coucou. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo, un nouveau vlog. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vlogué hein, parce qu'avec la crise sanitaire, la reprise du travail, c'est un petit peu compliqué, mais on n'est pas parti. Donc là, on se retrouve aujourd'hui au domaine de Diéné. Donc c'est un endroit qui est en dessous de Poitiers, ça s'appelle aussi Défi Planète, et c'est un domaine qui regroupe plein d'hébergements insolites. Donc nous pour le coup on est dans une cabane dans les arbres. On était déjà venu ici avec Choupipi en 2012, donc il y a 8 ans déjà. On avait adoré et là maintenant on est là avec nos enfants, donc ça peut être sympa de voir toutes les activités proposées avec des enfants, même si bon, Alice a 2 ans et Milan n'a que 6 mois. Mais voilà, il y a des piscines, un centre équestre, le parc Défi Planète avec des animaux, etc. Donc on va vous faire découvrir ça pendant ces 3 petits jours. T'as vu qu'il y a des chevaux? Là-bas. Là, maman.
La maison lapin et la maison poule. Du coup, pour les hébergements insolites, là on a les maisons champignons. Je crois que je les ai déjà un peu filmé hier soir. Ici c'est la maison escargot. Alice veut absolument y aller. Peut-être qu'il y a un chemin sinon, Alissou. Et ça, trop beau, trop stylé. Le château dans les arbres. Trop trop beau. Il nous avait déjà impressionné la première fois qu'on était venu. On voit pas trop, mais il y a une tour qui est cachée dans les feuillages. Il est trop beau. Tu vas où, toi? Oui, tu peux lui envoies un bisou de loin. Voilà, c'est bien. Et voilà, ça c'est notre maison. Vue de jour. Qu'est-ce qu'il y a? Oui, on va monter. Bon, où est-ce qu'on va? On va où? La piscine. On va à la piscine, chargée comme des briques. Avec un transat, des sacs. Là-bas, il y a papa et Mimi. Oui, on a cédé à la facilité. On a pris la voiture parce qu'on a trop de trucs à trimballer. Et c'est assez loin par rapport à notre hébergement. Voilà. Mimi après sa première piscine. Coucou. Coucou petite patate. Bah donne ce que tu veux donner. Coucou Mimi. Coucou. Coucou. Regardez qui nous a rejoints. Hello.
C'est mamie. Maman. Allez, où est-ce que tu vas? Et là, on a petit Mimi. Attention, attention, mon crapaud. Attention, attention. Attention avec les cailloux. Je vous filme une petite partie du parcours d'Acrobranche parce qu'il y a un grand Acrobranche pour tous les âges. Je sais pas si on voit trop à la caméra. En fait, il y a tout un parcours, c'est pour les plus petits, mais qui passe au-dessus de la petite mare là. Enfin, je trouve ça mignon. Il y a des tyroliennes. C'est à partir de 3 ans, donc il y a des parcours pour les tout petits. Et en fait, près de là où il y a notre maison, tout là-bas, il y a une espèce de grand champ, bah, là où il y a les maisons lapins, poules, escargots, etc. Et en fait, il y a une giga tyrolienne, très très grande. Et je me souviens, on l'avait fait avec Choupipi il y a quelques années, c'était super. Bon, là, avec les enfants, on peut pas, mais... Oui, ça te plaît. Bien, ça fait comme des squats. Ah, je vais à l'autobogan. Alice, coucou. Le tracteur. Quoi, papa? Tu vas faire le tracteur. Oui. C'est moi le tracteur là. Non, c'est pas le tracteur, maman. Il va monter ça, ça, papa. Elle en a marre de marcher. Moi, je suis un beau bonnet du Poitou. Papa, t'as vu, il y a des jeux là aussi. Oui, on l'a fait ça l'autre fois, c'est avec des frisbees. C'est du frisbee golf. Pour lancer les frisbees dans les trucs. C'est gratuit, on avait dû payer ça. Non, c'était payant, mais on l'avait pas payé vu qu'on l'avait fait avec les... Ah oui, c'est vrai. Ceux qui faisaient des ballons. Ça va, tu vas trop vite, Alice. Tu conduis? Mais j'aime bien les trucs avec les phares pédales. Non, non. Tu veux voir quoi? La piscine. T'es bien là? Oui. T'es pas tout écrasé? Non. Oh non, oh, toi, papa, mamie. Ah, ils nous attendent pas, papa et mamie. Je veux la piscine. Regarde là, c'est les roulottes. T'as vu? C'est comme des caravanes. Et voici d'autres hébergements insolites qu'il y a sur le domaine. Oh non, mamie, papa. Là, ce sont les roulottes. Oui, mamie, papa sont devant, on les rattrape. Je vais montrer les roulottes pour le vlog. Et voilà les roulottes. Et là, maman. Ouais, t'as vu, c'est joli, hein. Et là, et dedans. Non, on peut pas aller dedans, il y a des gens qui dorment dedans. Et ici, il y a des yourtes. Ça a l'air sympa aussi, les yourtes. On va y aller à la piscine. Oui, on va y aller à la piscine. On est au restaurant, le chaudron des Farfalets. C'est quoi, c'est le premier restaurant? Petit resto. Ce soir, on mange au chaudron des Farfalets. T'as tout en fait. Mimi, il est content de manger au chaudron des Farfalets. T'es content. Voilà. Alors, normalement, il y a des étoiles et tout qui doivent être projetées au plafond. Peut-être tout à l'heure. Mmh. Je
Je viens d'avoir trop peur en allant voir si Alice dormait bien. Je regarde. Et elle n'est pas dans son lit. Désolée, je rigole, c'est horrible. La pauvre. Oui, du coup, j'avais bien baissé son lit parce que j'avais peur qu'elle tombe. Pour le coup, elle est vraiment bien. S'en va, papa. Mais dis pas au revoir. Bah dis-lui au revoir. Au revoir, papa. Oh non. Papa, il est parti. Il est parti au revoir, papa. Commence la matinée à la piscine. Mimi va pas se baigner aujourd'hui, je pense. Il y a déjà Alice et Mamie dans l'eau. Donc nous, on va y aller aussi. À tes souhaits. Tu sautes dans les bras de Mamie. Allez, saute. Non, elle est dans les bras. Coucou, Mamie. Toi, tu vas dans la piscine. Bon appétit. Bon appétit, mon cœur. Bon appétit. C'est Lady. C'est Lady? Oui. C'est Arietti. Petite balade. Et en fait, juste derrière chez nous, il y a encore un château dans les arbres. On se rend pas compte, mais c'est vraiment immense. À titre comparatif, ça c'est notre maison. Encore un peu mieux de l'autre côté, hein, mais voilà. Là il y a une maison encore. Là-bas il y en a encore une. Voilà, des maisons un petit peu partout. Bon voilà, bon bah là je me balade un petit peu. On est un petit peu agacés parce que là on voulait réserver une balade en calèche pour faire avec Alice. Ils font ça comme il y a un centre équestre, une balade en calèche. On nous a dit que c'était complet, enfin il reste que deux places. Et même si on met Alice sur nos genoux, ils veulent pas. Et il n'y a plus de balade en calèche avant dimanche, sachant qu'on est mercredi, donc forcément dimanche on sera plus là. Parce que pour info, les nuits ici, je crois qu'on paye 170€ la nuit, enfin un truc comme ça, donc on reste pas jusqu'à dimanche. Et du coup, j'ai demandé si on pouvait louer un petit poney, enfin un Shetland, pour faire un petit tour, une balade en tenant Alice à la main, comme elle en a déjà fait. C'est à partir de 3 ans, mais Alice n'a pas encore 3 ans. Donc je voulais voir si c'était tout de même possible. Et on m'a répondu qu'il fallait qu'elle ait 3 ans et qu'elle fasse 1m30. Donc pour ceux qui ont des enfants et qui se rendent à peu près compte des tailles, 1m30 à 3 ans, je pense qu'à 3 ans, fait 1m, 1m5, allez, mais 1m30, voilà. Et la dame a dit « Ah si, il y en a !» Donc voilà, Alice ne pourra pas faire de poney car elle ne fait pas 1m30. Oui, elle fait même pas 90 cm. Hein. Donc voilà, ça nous a un petit peu énervé, on est un peu déçus quoi, parce que y a un centre équestre et puis Alice elle adore les chevaux. Et ben là elle va pas pouvoir en faire. Donc on est un peu dégoûté. Mais bon, c'est pas grave, y a plein d'autres choses à faire, mais le seum. Là il y a encore une très très grande habitation. C'est ce qu'ils appellent, je crois, un manoir. Et on se rend un peu compte en dessous de la taille que ça fait, un peu de la construction que c'est.
Et je vous ai pas montré d'ailleurs sur notre maison, ça bouge. Alors, dès qu'on bouge, ça tangue en fait, comme un bateau. Et des fois, on a un peu le, comme le mal de mer. Hein. C'est là le bouton. C'est le bouton magique. On est bien mon cœur. Ayou, il a bien dormi. Il était sage, il t'a pas embêté. Je vous avais parlé hier de la maxi tyrolienne. Elle est super longue, elle va hyper loin. Et je me souviens, elle avait fait avec Choupipi. Bah voilà, on voit pas l'arriver, mais du coup, ça passe au-dessus de toutes les maisons. Enfin, des maisons champignons et de l'escargot. C'est trop cool, et oui, je me souviens qu'on l'avait fait en 2012. Et c'était trop bien, on avait adoré. Mais là, du coup, avec les enfants, c'est un peu compliqué. Voilà, ça, c'est notre maison. On voit la tyrolienne passer. Le petit renard. On va où maintenant? On va où? On mange des glaces. On va manger une glace? Oui. T'es contente? C'est mieux que ça. C'est mieux comme ça. Elle est bien mise là ta casquette? Ah, t'en mets bien ta casquette, t'es bien chaud. Et voilà, là c'est le dernier hébergement insolite que je n'avais pas encore filmé, c'est la maison des farfadets. Ah bah tiens, en parlant de farfadets, en voilà un petit qui arrive. Voilà. Alice, viens, on sort. La table des farfadets avec une mamie et un mimi. C'est bon la glace, mon cœur? Un zazou, c'est bon? Oui. C'est ici, maman. Bon, du coup, tout ce qu'on voit là, enfin derrière la grande carrière pour les chevaux, enfin tout l'arrière là. C'est le défi planète, c'est le parc dont j'ai dû parler hier, qui est attenant au domaine de DNA. C'est en fait un grand parc animalier et en même temps qui sensibilise à l'écologie. Donc il y a plein de petits stands avec des farfadets, des choses comme ça. Et on voulait le faire, mais c'est super, enfin, comme vous voyez, exposé en plein soleil. Et c'est assez long, ça dure 3 heures, entre 3 et 4 heures. Donc avec les enfants, on l'a pas fait parce que avec la chaleur. Et là, il y a le château dans les arbres. Si vous voyez, et notre maison du coup elle est vers là. Donc voilà, c'est vraiment juste à côté. Et voilà, les femmes à la cuisine. Tu nous prépares quoi à manger, Alice? C'est quoi ça? Tu fais quoi à manger? C'est quoi ça? Comment ça s'appelle? Des courgettes. Des courgettes. Vas-y. C'est toi qui... Maison dans les arbres. Bon appétit. C'est toi qui as fait à manger? Repas fait par mamie Alice. Bon app. Dernière soirée dans notre maison dans les arbres.
Voilà, profiter du paysage avec ma tête. C'est magnifique. Bientôt pour moi. Et attention, regardez qui ne dort pas et n'arrête pas de se lever. Dans 5 secondes. Qu'est-ce que tu fais là? Au lit. Oui, je te fais un bisou. Dépêche-toi, Oli. Non, ah bah, je te fais pas de bisous si tu veux pas. T'as peur de moi avec le masque? Je te fais peur? Non. Je vais te manger. Non. Je vais te manger. Non. Bon, rassurez-vous, Alice est recouchée. Je lui fais un bisou. Et je ne l'ai pas mangé comme je l'ai dit dans la vidéo précédente. Tout va bien. Ah, et regardez ce qu'il y a en bas de chez nous. Le lapin blanc d'Alice. Et voilà, il est parti. Il se promène avec maman. Maman a été faire son petit tour dans les bois. Ou alors caca dans les bois, on ne le sait pas. L'histoire ne nous révélera pas le détail de sa vie. Il est pépouze, hein. Il se promène autour des maisons. Ah bah d'ailleurs, ça c'est l'ancienne maison qu'on avait avec Choupipi en 2012. La première fois qu'on est venu. Il n'est pas très farouche, hein, lui. C'est un beau plan pour finir la journée. Et voilà, c'est la fin. Alissou est sur les draps. On vient de tout enlever. On vient de charger la voiture, on va partir. Ben voilà, on a passé un super séjour de 3 jours. Alors je ne vais pas passer en revue notre avis. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un avis sur TripAdvisor et je ferai une capture d'écran que je mettrai à la fin de cette vidéo. Donc dans quelques secondes pour vous. Voilà, il y a des trucs qu'on a adorés, des trucs qui nous ont un peu moins plu. Notamment le service client où la qualité c'est pas foufou. Oui, comme dans la vidéo Center Park, vous allez dire, on est toujours en train de se plaindre. Mais pour le prix qu'on paye, là on a payé plus de 450 euros pour 3 nuits, sachant qu'il y a une offre 2 nuits achetées et une nuit offerte. Donc c'est quand même un prix certain. Ouais, donc voilà, par rapport au prix qu'on a payé, il y a des prestations, c'est un peu limite. Mais bon, j'écrirai ça dans mon commentaire et puis vous verrez à la fin de la vidéo. Et maintenant, on s'en va. On rentre à la maison? Alice, on rentre à la maison? Tu veux rester ici? Non, elle veut pas rentrer. Elle veut pas rentrer. Alice, elle a kiffé sa race, elle veut pas rentrer. Bye bye notre petite maison. Oui, c'est Mimi qui fait des proutes qu'on entend derrière. Des proutes avec la bouche. Bye bye la salle de bain. Je vous montre parce que du coup, il y a moins de bazar que la première fois. Notre petite chambre. Le salon où on sait pas, on s'est même pas assis là, finalement on était dehors tout le temps. Et la chambre de maman et Alice. Enfin maman, ma maman, mais la mamie d'Alice. Voilà. Du coup la chambre d'Alice avec le matelas et le spot préféré d'Alice pour dormir, sous le lit. Bon bah on espère que cette petite vidéo vous a plu. On dit bye bye. Bye bye. On dit bye bye. Et on se retrouve pour de prochaines aventures.